Quand j'étais petit, j'étais gentil et dégourdi, mais j'étais curieux et malicieux, c'était affreux. Tout me semblait drôle et à tour de rôle, je demandais aux gens des renseignements très embêtants. Maman a grossi ce mois-ci, pourquoi, pourquoi? Et le mois dernier aussi, pourquoi, pourquoi? Si c'était la nourriture, comme papa me l'assure, papa qui est comme un cure-dent, pourquoi, pourquoi? N'est-il pas comme maman, pourquoi, pourquoi? Oh, pourquoi donc refuse-t-on de me donner l'explication, pourquoi donc? Quand j'ai dû voter pour désigner un député, candidat sortant promit aux gens des dégrèvements, mais son adversaire jura de bien mieux faire, et quand fait un pot, tous aussitôt paieraient la peau. J'ai reçu mes contributions, pourquoi, pourquoi? Avec de l'augmentation, pourquoi, pourquoi? Oh, vraiment la politique, quelle invention magnifique! Nous avons un président, pourquoi, pourquoi? Il rigole tout le temps, pourquoi, pourquoi? Les contribuables seraient bien contents s'ils pouvaient en faire autant de temps en temps. Quand je me suis marié, j'étais aimé de ma moitié. Elle m'adorait, elle admirait tout ce que je faisais. Le matin en rêve, avant qu'on ne se lève, elle disait, Bastien, tu fais tout bien. Quand l'autre matin, elle m'a appelé Constantin, pourquoi, pourquoi? Je vous demande un peu, Constantin, pourquoi, pourquoi? Le lendemain, elle recommence avec un nom de connaissance. Elle m'a appelé Désiré, pourquoi, pourquoi? Alors je lui ai demandé pourquoi, pourquoi? Elle me dit, je rêvais d'un nom de baptême. Et tu comprendras toi-même le pourquoi.